Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review Tsum Tsum avec deux playsets de la collection Fun à deux fers. Donc j'avais déjà fait une review avec le grand playset et là c'est deux playsets additionnels, donc vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et dans chaque playset nous avons des figurines dont une mystery. Donc j'ai hâte d'ouvrir le petit sachet pour savoir laquelle que je vais avoir. Alors voici la première boîte. Donc dans cette boîte il y a 13 pièces différentes. Nous avons une figurine de Lady Pailletée et une autre mystère. Donc je pense que la mystère sera une petite, une small, et là c'est une medium. Et on voit un Stitch en carton de taille large. Et sinon nous avons un petit carrousel où vous pouvez mettre des petits Tsum Tsum. Alors sur le côté droit nous avons une Joy ou Joie de Vice Versa. Elle est aussi pailletée, elle a un cornet de popcorn sur elle. Et à droite, une petite machine à popcorn. Nous avons ici plutôt en carton de taille grande et j'ai hâte de voir aussi la mystery. À l'arrière des boîtes, nous avons en bas la collection complète. Et vous pouvez apercevoir ici la petite mystery dans un petit papier d'aluminium. Alors je vais commencer par ouvrir ce set avec le carrousel. Alors voilà ce que contient le set. Alors on a ici une structure en forme de L avec ici des petits bouts en plastique pour faire tenir entre les différentes structures. Donc très pratique. Alors là cette fois-ci c'est la couleur rouge pour les cubes. Nous avons deux tailles différentes selon la façon dont vous voulez imbriquer les petits cubes. Voilà donc un carré et un qui est en plus en forme de rectangle. Donc il y en a quatre. Alors voici Lady, donc elle a un petit nœud qu'on peut retirer, elle est toute pailletée, elle est vraiment très sympa. Donc Lady je l'ai en normal, pour comparer, la voici. Je vous montre le carrousel qui est vraiment adorable. Alors ici un petit drapeau avec le logo Tsum Tsum. Ici nous avons des petites niches pour mettre vos petits Tsum Tsum. On va essayer avec trois différents. Je vais mettre Dembo, Dango et Tac. Ici nous avons deux places pour vos petites Tsum Tsum. Là on va retirer et regardez, il y avait un petit embout en plastique qui ne sert plus à rien au final si vous mettez d'autres petites Tsum Tsum. Alors nous allons mettre Polochon. Et nous allons mettre Ursula. Donc voilà, c'est vraiment très sympa avec tous les petits Tsum Tsum, vous pourrez en mettre 5 au total. Alors le carrousel, vous le mettez où vous voulez. Et moi, ce que je vais faire, alors je vais mettre les cubes dans la structure. Donc dans cela, vous pouvez mettre un grand, c'est au choix. Vous pouvez mettre un moyen. Vous pouvez mettre plusieurs petits. Alors les petits c'est pas mal, vous pouvez en mettre je pense au moins 5. On va essayer d'en mettre au maximum. Bon, je vais essayer d'en mettre 4. Ouais, non, c'est plutôt 4 je dirais. Voilà, vous pouvez en mettre 4 à peu près. Donc je vais inclure la structure à l'arrière. Donc j'avais fait la review du grand playset. Vous pouvez mettre le carrousel où vous voulez. Par exemple, vous pouvez le mettre sur le dessus. Alors où vais-je le mettre? Un endroit sympatoche. On pourrait élever cette structure et la mettre là. Alors je fais attention pour pas tout faire tomber. Bon, j'ai fait tomber un petit peu. Et là, regardez, nous allons renforcer le maintien grâce au petit bout en plastique. Voilà, vous faites ça. Et normalement, ça tient bien. Et voilà ce que ça donne. On remet la petite corde. Voilà, et regardez, c'est beaucoup plus sympa, vous pouvez faire vraiment des trucs variés. On a plein de possibilités hein, au final. Alors la petite Lady, moi je vais la mettre ici. Là j'ai un cube orange qui peut rester là. Je peux mettre une Ursula là. Je vais mettre un petit Nemo aussi là. Un petit Bambi, Figaro là. Donc là c'est déjà vraiment sympa. Il ne reste plus qu'à ouvrir la figurine, donc mystery. Alors vous êtes prêts? Alors normalement c'est pailleté. Et j'ai déjà des pailletés en espérant ne pas avoir de double. Nous allons voir. Ah non, c'est pas pailleté.
Non, c'est pas pailleté. Et c'est jasmine. Moi, elle est simple en fait. Je pensais qu'elle était pailletée. Bon, bah, jasmine, on peut la mettre ici. Hein. Ouais, ça tient. Alors, avant de faire le deuxième playset, je voulais vous présenter un petit truc sympa du Japon. J'ai choisi Belle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boîte avec, je pense, des chewing-gums à l'intérieur. Et en fait, vous avez toute une collection de personnages. Moi, j'ai choisi Belle. Mais vous avez Mickey, Sully, Pluto, le génie, Buzz l'éclair, Woody, Elsa, Porcinet, Tigrou, Olaf, Bob et Tic. Ah, il y a aussi Anna, Winnie, Daisy et l'alien dans Toy Story. Vous voyez, il y en a beaucoup, Donald Dingo. Alors, on va goûter, on va voir comment ça marche cette boîte. Ah, c'est sympa, regardez, vous ouvrez, vous avez un chewing-gum ou un bonbon. Alors, je sais pas si c'est un chewing-gum ou un bonbon, je pense que c'est un chewing-gum, je vais vous dire ça. C'est un bonbon, c'est très dur en plus. Donc, ça s'appelle Emma et la boîte est vraiment sublime. Et le goût, bah, c'est très bon. Un peu dur par contre le bonbon quand même. Alors le bonbon je l'ai fini, à la fin ça pique un peu. Alors ne le croquez pas parce que ça fait mal aux dents. Allez, je vais ouvrir le deuxième set. Alors voici les éléments. Alors à la place du rouge nous avons du bleu. Toujours 4 cubes. Alors la structure ça fait vraiment Tetris si vous connaissez le jeu. On a petit 4 bouts en plastique. Ensuite nous avons la machine à popcorn qui est vraiment sublime je trouve. Voilà donc vous pouvez mettre... Alors, quelle taille? Je pense un moyen. Simba, il va très bien dedans. Et je pense que vous pouvez mettre jusqu'à 3 petits environ, ou 4, peut-être 4. On va essayer. Ouais, vous pouvez en mettre 4. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais garder un moyen dedans. On ne peut pas mettre de grand, hein, par contre. Je vais essayer quand même. Mais regardez, ça ne rentre pas. Alors, je vais mettre Simba à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vous montre Joie avec son petit pot de popcorn. Elle est pailletée. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. J'adore Joie. Alors, j'ai en version normale. Donc, je peux vous montrer à titre de comparaison. Voilà. Donc, elle est juste toute pailletée. À part au niveau du visage, ici sur le devant. Voilà, donc ça, bien entendu, vous pouvez le retirer et mettre un autre Tsum-Tsum moyen. Alors, le mystery, qu'est-ce que ça va être? Ouh, c'est difficile, on t'attend. En tout cas, il y a des toutes petites oreilles. Ça peut être, je sais pas, un petit chat, par exemple. C'est blanc. C'est qui? Oh, c'est une rare. Elle est noire et blanc. Ouah, c'est une rare. C'est Daisy. Elle n'a pas d'oreille, en fait, c'était le petit nœud. Et en fait, il faut savoir que les noirs et blancs sont très très rares. J'avais eu mini en moyenne, je vous remontre. Donc là, j'ai deux rares. C'est vraiment génial. Bon, bah, il n'y a plus qu'à assembler. Alors, je ne sais pas où mettre, du coup, cette structure. On pourrait s'amuser, on pourrait faire quelque chose de sympa. Mettre au-dessus, mais j'ai peur que le poids fasse tout tomber. Je vais essayer comme cela, voir ce que ça donne. Alors, on peut. Je vais essayer de raccorder. Ouais, je vais essayer de raccorder ça. Voilà, j'ai raccordé. C'est vraiment sympa. Par contre, je suis obligé de retirer ça pour pouvoir mettre bah, les cubes, en fait, ici. Voilà. Bon, j'ai des Tsum-Tsum qui sont tombés. Hein, c'est normal. C'est pas évident. Mais là, ça fait vraiment un immeuble, je trouve. C'est très sympa. C'est très fun. Voilà, hop. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc je remets ça, vous allez voir. À moins que je mette les Tsum-Tsum déjà à l'arrière, parce que ça va être pas évident pour les mettre. Alors qui vais-je mettre? Je vais mettre... Alors ce que je vais faire, je vais mettre le carrousel ici. La machine à popcorn, on peut la mettre... Ah, je vais la mettre là-haut. Voilà, très joli. Ensuite, on va mettre Ariel, ouais, pourquoi pas. On va mettre Dory. On va mettre Joie ici. Na na na. Maléfique. Allez, j'essaye de remettre sans tout casser. On y va. Voilà.
Mandori est un petit peu caché et Ariel aussi. Mais ce n'est pas grave, c'est vraiment sympa comme tout. Alors vous pouvez encore rajouter plein de Tsum Tsum. Alors je vais voir dans ma collection. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo avec toute ma collection aussi, hein. Franchement, parce que j'en ai pas mal maintenant. Alors ceux qui tiennent pas très bien, c'est les petits en fait. Ah, n'oublions pas de mettre la Daisy rare que j'ai eue aujourd'hui. Lady là. Alors, que pensez-vous de ces playsets? Est-ce que vous les aimez? Moi, je trouve vraiment pratique pour exposer et ranger, surtout. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter, Instagram. Si vous voulez plus de vidéos Tsum Tsum, de figurines ou de peluches, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Je ferai plein d'autres vidéos. Je vais recevoir aussi bientôt des nouveaux boosters, donc des ouvertures de boosters comme vous aimez. Alors, ma collection commence ici à gauche. Je monte rapidement. Hop. Et elle se termine à droite. Voilà, là, il y en a encore beaucoup, beaucoup. Je vous remontre rapidement ceux que j'ai ici. J'ai pas tout exposé. Là, j'ai par exemple ceux de Noël. Et puis là, j'ai essayé de faire par famille. Là, j'en ai un peu mélangé. Et là, je vous montre donc ceux d'aujourd'hui avec les playsets. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut, salut !